détestait être seul. Pourtant, une nouvelle fois, Henri partait sans lui. Assis sur le ponton, Louis regardait la barque s'éloigner. Cela le rendait triste. Lui aussi voulait venir chasser. Il avait envie d'apprendre. Mais grand-papa avait toujours dit non. Tilouï n'est pas assez grand, Tilouï peut pas faire ci, Tilouï peut pas faire mi. Mais ce n'était pas vrai. Henri était plus petit que Tilouï. Pas en taille, non, non, mais en âge à ça, oui. Alors pourquoi c'était avec Henri que grand-papa avait toujours voulu aller chasser? Quand il était tout seul, Louis tournait en rond. Alors, il explorait le marais. Il sautait de pierre en pierre, le long des berges, en cherchant des trolls du bayou dont grand-papa lui avait si souvent parlé. Il courait sur les troncs sinueux qui enjambaient les marais pour observer les libellules, celles que grand-papa appelait hirondelles. Et parfois, quand il avait de la chance, il attrapait une ou deux grenouilles qu'il ramenait à la maison. Avec les années, Louis s'était même fait une belle collection. Une si grande collection que grand-papa lui avait même fabriqué un panier pour qu'il puisse y ranger ses grenouilles. Le soir venu, quand Louis restait seul, la maison lui donnait des frissons. Elle craquait toute la nuit, et parfois, elle laissait même entrer des fantômes. Oui, oui, Tilouï les avait vus quand il était enfant. Trois spectres qui venaient jouer aux cartes et buvaient le whisky de grand-papa en riant très fort. Mais quand il avait raconté cette histoire, personne ne l'avait cru. Henri s'était même moqué de lui en le traitant de couillon. Mais Louis savait, lui, que ce n'était pas vrai, qu'il n'était pas un idiot. Non, non, il était juste différent. En tout cas, c'est ce qu'avait toujours dit grand-papa. Mais cela faisait déjà plusieurs années que Louis et Henri vivaient seuls dans le bayou. Ce jour-là, Tilouï attrapa trois grenouilles, qu'il ajouta fièrement à sa collection. Il les rangeait soigneusement avec les autres quand il vit une barque à l'horizon. Son cœur bondit de joie dans sa poitrine et il agita gaiement la main en direction de son frère. Malheureusement, Henri rentrait une nouvelle fois bredouille et cela faisait déjà plusieurs jours qu'il n'avait rien mangé. Louis sentit ses boyaux se tordre dans son ventre, tandis que son frère, saoul comme une barrique, s'extirpait tant bien que mal de la barque en poussant des jurons. Puis sans un mot, il se dirigea vers le panier à grenouilles. J'ai toujours la faim. Ramène-toi et aide-moi à le faire cuire. Ce soir, c'est le festin des grenouilles. Non ! Coup de canaille. C'est elle ou toi, Ino ? Henri saisit le panier, ignorant les sanglots de son frère, et fourra la main à l'intérieur pour y attraper les trois grenouilles du jour qui se débattaient entre ses doigts. Le visage ruisselant de larmes, Louis sentit quelque chose se briser en lui, et le monde se mit à tournoyer. Les arbres devenaient des trolls. Et les pierres prenaient vie. Comme poussé par une force surnaturelle, Henri perdit l'équilibre, se mit à tituber. Un pas, deux pas, avant de basculer de tout son poids au fond du marais. Des bulles se formèrent à la surface. La maison craqua et les grenouilles se mirent à croisser toujours plus fort, tandis que le vent s'engouffrait dans les hautes herbes. Puis l'eau verdâtre cessa d'onduler, dans un silence assourdissant. Tilouï détestait être seul, mais il avait toujours ses amis les grenouilles. Il ne pleurait jamais quand il était avec elles et ne s'ennuyait pas non plus. Jamais il ne les mangerait, même s'il devait en mourir, ah ça, non, non. Assis sur le ponton, Louis ferma les yeux en écoutant le son du marais. Désormais, il serait seul dans le bayou. Et bonjour à tous, c'est Ménestrel, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve donc pour vous raconter l'histoire de Louis Petitpas. À l'origine, j'avais créé cette maison ainsi que la famille qui va avec, donc Louis et son frère, dont je vous ai conté l'histoire, pour tester le Crazy Frog Challenge de Plouf. Je vous mets sa vidéo dans le petit i pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Mais en créant Louis et en imaginant son histoire, je me suis dit que vraiment je ne pouvais pas en rester là avec ce personnage et j'avais vraiment envie de le creuser. Et je me suis dit que ça pouvait être l'occasion pour moi à la fois de vous raconter son histoire et aussi de tester le kit d'objets paranormal qui évidemment, comme vous avez pu le remarquer, fait vraiment penser à la Nouvelle-Orléans et donc aller parfaitement avec l'histoire de Louis.
Alors je vous avoue que quand j'ai vu les objets du kit, j'ai eu un peu peur parce que je les aime beaucoup, mais par contre ils sont assez beaux et donc je me demandais comment j'allais réussir à les utiliser dans une construction comme celle-ci, c'est-à-dire assez délabrée et un peu crado, hein, on va pas se mentir. Et pour autant, je pense, enfin vous allez me dire en commentaire, hein, n'hésitez pas à me donner votre avis, mais je crois que j'ai quand même bien réussi le mélange, même si les objets sont beaux, comme ils sont fondus dans ce décor, on a l'impression qu'ils sont très vieux. En tout cas, moi c'est comme ça que je voyais un petit peu tout ça. Et comme vous avez pu le constater, au début du speed build, j'ai tout simplement recopié la forme d'une maison de pêcheur qui se trouve dans le debug. Cette maison, je l'aime beaucoup, ça fait très longtemps que je voulais la copier, et donc je me suis dit que c'était l'occasion. La structure de la maison en elle-même est très simple et il y a une seule pièce. Et tout autour, donc, j'ai voulu créer un décor assez marécageux avec un étang donc, que j'ai utilisé, qui est inutilisable sur le terrain parce que j'ai dû bidouiller pour qu'il puisse passer sous la maison. Et j'ai aussi ajouté des piscines avec des formes particulières et avec de l'eau verdâtre pour qu'on ait l'impression que ce soit donc des marécages. En tout cas, j'ai beaucoup aimé faire cette petite construction, même si elle est très simple. Ça a été une véritable bouffée d'air frais pour moi parce que je vous avoue que depuis quelques temps, je n'arrive plus très bien à construire. J'ai pas trop d'idées en fait, hein, tout simplement, ça arrive à certains moments. Et pourtant, j'ai eu des histoires à vous raconter, notamment en lien avec le let's play d'Alan, donc c'est assez frustrant. Mais là, cette maison, cette ambiance m'ont beaucoup inspirée. Et donc je suis très heureuse de pouvoir vous la présenter aujourd'hui. De façon générale, je ne vais pas vous mentir, je ne connais pas si bien que ça la culture dite Cajun dont je vous ai parlé un petit peu finalement à travers cette histoire. Comme vous avez compris, les expressions que j'ai essayé d'utiliser apparemment sont Cajun. Maintenant, je ne sais pas, j'ai essayé d'utiliser des mots que j'ai trouvés sur internet qui correspondraient à la langue Cajun. Pour ceux qui ne le sauraient pas, les Cajuns sont une population francophone de la Nouvelle-Orléans. Leur accent et leur façon de parler est extrêmement différente de la nôtre. Elle est remplie de mots que l'on pourrait considérer pour nous comme étant de l'argot. Par exemple, de couillon est apparemment un mot qui s'utilise pour désigner un idiot du village. Et je trouvais ça assez marrant. C'est aussi un mot qu'on utilise en France, hein. Enfin en tout cas dans ma région on l'utilise. Et cette façon de parler en fait découle d'un mélange à la fois de vieux français et aussi de créole. Et par la force des choses évidemment d'anglais. Accent magnifiquement interprété encore une fois par mon compagnon qui s'est prêté au jeu donc pour cette vidéo. Merci beaucoup à lui pour son aide. Il était déjà apparu dans la vidéo du commissariat, il avait fait le shérif. Et là j'ai poussé un peu plus loin en lui demandant de faire cet accent et il l'a fait. Donc voilà, merci encore à lui. Et pardon par avance pour tous les éventuels Cajuns qui passeraient par là. Je pense pas qu'il y en aura, mais on sait jamais. Dans tous les cas, on a fait ce qu'on a pu, c'était en aucun cas de la moquerie. Pour ceux que ça intéresse et ceux qui voudraient se renseigner davantage sur cette culture Cajun, si vous voulez, je vous mettrai en description deux reportages que j'ai regardés avant de faire cette vidéo pour m'inspirer un petit peu de l'histoire et comprendre un peu aussi comment les gens parlent là-bas. Et quand on écoute l'histoire de cette culture Cajun, on se rend compte qu'il y a beaucoup de similitudes avec notre histoire française, notamment avec la façon dont on a traité nos langues régionales à un moment donné en France. Puisqu'évidemment, de la même manière que la France à un moment donné a voulu consolider sa culture avec l'école en interdisant les langues régionales, eh bien les États-Unis ont fait pareil. Et donc au début du XXe siècle, en Louisiane, on a interdit aux enfants à l'école de parler français. Et ça a bien failli faire disparaître la culture Cajun, mais de la même manière que chez nous en France, les langues régionales ont été récupéré notamment à partir des années 60, ben ça a été un peu la même chose pour le français là-bas, et donc les nouvelles générations aujourd'hui essayent de s'y remettre, et essayent aussi de redorer un peu l'image du Cajun qui, pendant très longtemps, était un mot extrêmement péjoratif, qui en gros revenait à traiter une personne de gros pecno de la campagne, un débile, un ignorant, voilà un peu ce que sous-entendait le terme de Cajun, ce qui est bien entendu loin d'être le cas au vu de la richesse de leur culture. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur cette histoire, ce n'est pas le but de la vidéo. J'espère en tout cas que cette construction en pays Cajun ainsi que son histoire vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, la commenter ou même la partager, ça me fera très plaisir. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai ouvert un serveur Discord il y a peu. Je vous mettrai le lien dans la description, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre là-bas si ça vous intéresse. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye !